l'aboutissement de 3 semaines de travail avec les conditions un peu assez spéciales de la Startup Week 2022 du coup. Très stressant. Les gars, nos stress, ça va bien se passer. Tranquille donc. Par rapport aux autres années, plus détendu. Et en même temps, content de pouvoir passer en fait devant le jury. En vrai, si on passe pas à la finale, on a une bonne note quand même, ça passe. C'est ça. Ouais. C'est la moyenne. C'est ça. La moyenne ou moi. Moi, je pense qu'il y a moyen final là. Lui, il dit ça tous les ans. Côté de cohésion qui était plus difficile à un moment. Mais après, on a su retomber sur nos pattes et ça s'est fait facilement après. Ça nous a permis de découvrir d'autres personnes, d'autres promos. Je dirais que même s'il y a eu des dysfonctionnements au début de la Startup Week, il y a eu des incidents météorologiques. Donc ça s'est quand même bien passé, tout le monde a réussi à rester soudé. C'est une expérience qu'on n'oubliera jamais, dans le sens où on était bloqué à la plaine des Caves, dans une case, sans eau, sans électricité, des charroilles de l'eau. Les jacuzzi marchent plus. Les jacuzzi, tout ne fonctionne plus. Gros big up à Créalise aussi, parce qu'ils ont su gérer derrière. Gros big up, c'était pas facile. On sait que les étudiants ont été très durs, mais eux, vous avez géré encore une fois, donc big up. Simplement un jeu vidéo pour l'apprentissage des langues étrangères, notamment donc en première langue l'anglais. Mon projet, c'était de réduire la consommation de l'eau dans l'agriculture et l'idée était de faire des capteurs régis par une intelligence artificielle qui permettrait tout simplement de prendre les mesures d'humectation de l'eau, de l'air et d'arroser les plantes au bon moment, au bon endroit avec l'eau qu'il faut. Mon idée de start-up, c'était Ragnagna, donc un maillot de bain menstruel qui permettra aux femmes d'allier activités nautiques, aquatiques, donc partir à la plage, à la piscine, etc., tout en ayant ses règles. Il y avait énormément de pression. 200 étudiants, c'est énorme. Le fait de pitcher juste avant devant 30 étudiants, ça m'a permis d'être plus à l'aise du coup à l'oral et d'avoir plus confiance en moi. C'est ma troisième Startup Week, donc il faut savoir que à force, on connaît, on s'y colle et voilà. On a fait le mieux qu'on pouvait. On a essayé de travailler en visio parce qu'on n'était pas dans les mêmes communes, on n'habite pas au même endroit. Toutes les semaines, de se voir au moins une fois. Et petit à petit, le projet a pris de l'ampleur et on a réussi à avoir cette troisième place. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu la chance parce que j'ai une équipe formidable qui m'a toujours suivie. On était tous vraiment très accrochés au projet, même avec les coupures, etc. On était toujours là, c'était des rendez-vous tout le temps sur Discord, des réunions, on était vraiment très à cheval et très à carreau sur le travail pour la Startup Week. Ça a été un petit peu compliqué parce que certaines personnes ont eu des coupures d'eau, des coupures d'électricité, d'autres ont dû rentrer chez elles, on a forcément dû se réorganiser. C'est vrai qu'il y a eu une certaine baisse de motivation également. On voulait y arriver, on voulait le faire. On a quand même réussi à faire avancer le projet et à le présenter à la fin. Donc c'était sympa. Ah oui, je suis très heureux, très content. Il faut savoir que la Startup Week, c'est énormément de pression, énormément de changements de plan parce qu'on ne suit pas des consignes qui nous sont données. Oui, très content. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas forcément. Quand on a annoncé notre nom parmi les 6 finalistes, on s'est dit c'est déjà une très belle victoire. Et finir deuxième, c'était encore une plus grande fierté, on va dire. Juste hyper enrichissant et j'ai envie de continuer l'aventure avec mon équipe. Ça serait avec plaisir de reparticiper à la Startup Week. Croire en son projet, mais surtout en soi. C'est ça qui nous fait réussir. Juste croire en ses rêves. À la base, c'était une idée venue d'une insomnie et voilà, on en est, donc hâte de continuer.